Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plateforme sur le épisode de Mad Max. Et donc chez JIT, nous avons une quête secondaire à réaliser. Nous allons simplement aller voir ce que c'est. Alors, bonjour. Ok. Ça se comprend. I need you to open a passage into the Dead Barons form to send caravans over. You get me one of the big fuel trucks out there and we'll pack it with explosives. And it should make a big hole in that wall. Oh, j'aime. You'll be able to feed your shooter and the Dead Barons too. Oh, trouvez un camion citerne que JIT piégera avec des explosifs, puis utilisez-le pour ouvrir un passage vers les terres arides. Un camion citerne. Ok, comment utiliser le camion citerne à JIT? Donc ça veut dire tuer le pilote sans détruire son camion. Et bah pour une fois c'est une quête qui est pas trop mal, elle est très différente des autres au final. Alors, où est-elle? Le voilà. C'est parti. Oh, puis je sais pas si vous voyez comme moi un tremplin juste ici. Oh, il a pas dit She Flies! Je suis vexé! On en a plus maintenant. Mais bon, c'est pas grave, t'as compris le principe. Alors. Je vérifie l'adhérence des pneus, je les fais chauffer. Bon. Oh oui, je le vois. Bon, alors on commence par ça. What the fuck? Hop là. Et de 1. Maintenant, combien sont-ils au total? Le pneu. Fini. What? Dégage. Ah mais non. Dégage, t'es dit. Dégage. Ah si, il recharge dans la voiture. Bon, bizarre. J'avais encore jamais vu faire en fait. Il faut être vraiment à... Et toi, explose. Hello? Aurais-tu une portière sympathique à nous donner? Non? Ah, attends, je passe à côté de toi. Hop. Voilà. Parfait, en plus on est pas loin de la maison il me semble. Surveille la voiture. Oui, voilà, on est juste là, parfait. Détecté par la faction de Scrotus. Ça veut dire qu'ils vont chercher je pense. Wouhou. Ah, c'est vraiment un camion quoi, c'est... Je t'aime comme un camion. C'est vraiment l'expression adéquate. Hein. Oh, il a de jolies roues par contre. Hein. Bon, par contre, ça veut dire que dans cet épisode, il faudra qu'on aille chercher aussi chez Fria. Enfin, Deep Fria ou je sais pas quoi. Alors. Ce véhicule ne peut pas être ajouté à la collection. Merci quand même. Hop là, mission. On va voir mon petit mélangeur de poudre, il piégera cet engin pour faire tout péter. Ah. Mon petit mélangeur de poudre, où est-il? Je crois qu'il est là-haut en plus. Il n'y a pas genre un moyen de monter par là? Là, exact, oui. Hey, Lamy! Hey! Jade said to talk to you. Yes, don't worry. I will prep the truck adequately. Ok, merci. Non détecté. Ah, c'est cool. Maintenant, l'objectif, c'est de l'emmener où? Ici? Au niveau du mur. D'accord. On y va. Donc là, c'est une mission Game of Thrones-like. On va emmener un camion sur le mur avec le même majuscule, vous savez. Et on va le faire péter, chers amis. C'est une mission Game of Thrones-like en Corse. Voilà.
Chers amis Corses, je vous salue. Et sachez que ma chaîne n'a pas de... n'est physiquement pas réelle. Vous ne pouvez pas la faire péter à coups de pain de plastique. D'ailleurs, des petits pains de plastique, on en trouve dans toutes les dinettes. Voilà, c'est dit. Blague-moi-y. Bon. Bah, tout ça se passe plutôt bien, chers amis. Hop, ensuite, j'ai un épisode d'Elite Dangerous à tourner, moi. Donc, j'espère que cette série vous plaît, surtout depuis l'arrivée du Lacon Type 6, qui est vraiment épique. Enfin, l'arrivée est épique. Le vaisseau lui-même est très classique, très lambda, mais... en soi, ce n'est pas un problème. Oh non, me dites pas que vous me rattrapez. Vous ne pouvez pas me rattraper, je suis un camion, je vais vite. Mais là, je vais aller encore plus vite. Oh, Guest Town. Dommage que j'ai pas de brûleur à l'arrière. Non, t'as voulu essayer de passer. Ah bah vous avez, ils sont arrêtés bizarrement. Ils ont peut-être eu peur, hein. C'est possible. Alors. Wouh! Faut pas rester là. Ah, Tiba Idia, ça va vite, Tibaba. Et ben voilà. C'est ce qu'on appelle une entrée dans le territoire ennemi. Mission de l'état désolé, jouer avec le Fuji dispose maintenant d'une nouvelle route vers les terres arides. Et moi aussi par la même occasion. Hello. Fais venir la caisse. Hey amigo. Oh, j'espère bien que tu m'as trouvé. Bon bah on va aller chez Deep Freya. T'es sérieux, tu vas me faire faire tout le tour? Mais je viens de débloquer un truc devant. Hein? Ah oui, je vois. Hop les, comme papa dans maman. Et on est passé. Wouhou. Alors, vu qu'on est dans une nouvelle région, on va peut-être avoir une route. Allez, pousse. Ah, voilà une route. Parfait. Maintenant il nous faut une... un mail. Maintenant il nous faut... il nous faudrait une montgolfière. Des arbres. Putain, ça fait bizarre. Il y a des arbres dans Mad Max. Ok, apparemment il n'y a rien du tout dans cette région. Ok, intéressant. Intéressant. La route. Plus à droite, d'accord. Salut les mecs. Oh, ça vous rappelle rien ce genre d'endroit? On va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? De la ferraille. Non, seulement de la ferraille, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a un petit point vert dans le fond, bleu dans le fond, je ne sais pas. Bleu, apparemment. Alors, on va pas y aller tout de suite. On pourrait. Il me faudrait un point... Le point vert, il est où exactement? D'accord, il est au-dessus. Nous, on va aller dire... Bah merde, alors, ça commence à faire beaucoup de choses. Hop, les. Laissez-moi tranquille. Hop les petits virages comme ça. Stylé. Ennemi droit devant. Salut. Salut. Course à la mort juste ici, plus de route. Ok, là c'est stylé par là. Territoire de Deep Freya. Oula, non, pas par là. Remonte la pente, canasson. Oui, faut être soyons honnêtes, c'est un canasson. C'est sympa par là, dis donc. Ouais. Temple de Deep Freya. Oula!
Et dit Fria, ça fait très femme. On est d'accord. Oh, je suis curieux. Ok, nous y voilà. Bon, on s'est fait taper dedans à l'entrée, mais nous y voilà. Qui est Deep Freya? D'accord, c'est un homme. Ou alors Deep Freya, c'est le... Je sais pas. Nouvel ennemi, le cafard. Ok, le cafard, pourquoi pas. D'accord. Alors lui, il me propose une quête secondaire, va comprendre. A black finger here. Ooh. Yeah, the finest, the most exalted. Oh, I had it all. The parts, the purpose. I worked on the war machines and the assault vehicles, and I had a bunk, as much gruel and cheese and grease as I could eat. Here, and I had a plan. In the pitch of night, she whispered to me. C'est le Messie. Oh putain. C'est littéralement le Messie. L'homme a compris. What happened? She told me that I had to begin my toil. I had the designs inside the pan. See? Just like she laid them down. The angel. And I began liberating parts for her design. And they caught me. They wish to turn me off for good, but Scrotus, brother, he wanted to play. Oula, je veux. Ah oui, d'accord. Ouf. J'ai lu s'amuser, j'avais très très peur, me torturer. Ok, je préfère. What with the aid of the angel? I made it out. I didn't die. The parts. Deep in the bowels of the underbelly. Hidden away. Wait. Hey. Oh, I think that we can get them for her. Oh. As it was intended by the Shimmy Shammy, using the magnum opus and the harpoon. Let's do it. Le chaman qui se dandine. On l'a pas encore vu, le bonhomme. Clé sacrée de Chum débloquée. Quand il vit à Petrovitch, Agamemnon volait des bouts de ferraille à d'autres et autres. Il voit en son retour remettre à la masse son butin caché, trouver l'entrée secrète de sa cage de ferraille. Ok, pourquoi pas. Bonjour, monsieur. The end times are upon us. I, Deep Fryer, spawn of the great flame, have beheld it. My children, the flock of wildfire, eager to their righteous. Ça me fait penser aux Lennon, je sais pas pourquoi. Aux Lennon, mais sans cheveux. Ou alors c'est plutôt le comment, celui qui prie pour le Lennon. The dunes outside all run red with blood. Dread Scrotus and his war boys spread their bloody gospel of the blade. But you, your goal is elsewhere. That makes you a valuable ally. Nobody's ally. Many of my flock have come from the path of the blade and on to the flame. You'll be rewarded in buffed up weapons. What do you need? Since Dread Scrotus's recent bout with death by chainsaw to the nugget, the holy machination we call vaincu la mort avec une cipolette dans le crâne. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas. Oh putain. Belly of Gastown. Once a sacred moon, it bellows out a pure flame, embracing the wildfire standing in its front. Now the flames have stopped. We cannot go into the tunnels, pitch black and full of flammable gas, making our torches impossible. Il y a du danger, quoi. Oui, pour ceux qui veulent passer avec des torches, ouais. Your false light there. That's the way to go. D'accord. Bon, ça me semble être une très très bonne mission. Même si ça me fait un petit peu... La veilleuse de Deep Freya n'est plus alimentée en gaz. Descendez dans les plus profonds tunnels du bas-ventre pour un... débloquer le harpon de feu intimidant. C'est ça qui m'intéresse surtout. D'accord. Alors, on a tout ça. On a la quête principale. On a la zone ici à aller vérifier. On a plein de boulot à faire ici. Mais d'abord, on va aller faire l'armurerie. J'ai envie de visiter un petit peu l'endroit. Je vais aller mettre un petit peu de ferraille. Vous savez quoi? On va commencer par ça. La ferraille ici.
Allez. Parfait. Le projet armurerie. Encore mieux. Parfait. Ah, amélioration. Le temps passe. Est-ce qu'on va avoir encore plus de flammes, ça se trouve, tout simplement. Oui, un tout petit peu plus. Bon, bah, pourquoi pas. Passer. Hop. Ça, c'est cool. Bon. Eh ben, on progresse, chers amis. On progresse. Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant? Qu'est-ce qu'on a comme truc à faire dans la région? On a deux secondaires ici, plus la principale. Est-ce qu'on a des zones, des quêtes qu'on n'a pas prises? Voilà, par exemple, ici, on a une information. On va se téléporter ici, et on va aller voir l'information. J'ai envie de finaliser un petit peu tout ça, puis après on entamera, comme d'habitude, le reste. Alors certains m'ont demandé si je comptais faire le jeu à 100%. Bah écoutez, 100% je sais pas, parce qu'il y a des trucs à collectionner, des machins, des bidules. Je sais pas si ce que je fais actuellement c'est le faire à 100%. Est-ce que faire toutes les ferrailles, par exemple, c'est vraiment le faire à 100%. Par contre, les reliques historiques, je ne sais pas, on verra bien. Je les cherche pas pour l'instant. Peut-être que je ferai un montage à la fin pour aller toutes les chercher, mais je ferai peut-être un 100%, je ne sais pas du tout, chers amis. Mais une chose est sûre, c'est que je mettrai à zéro toutes les menaces de chaque zone. Ça c'est certain. Hop. Alors, on a quelqu'un ici. Je suis curieux de savoir ce que c'est parce qu'il n'y a rien autour. Hop. Bonjour, monsieur. Monsieur, c'est bon. Oui, prie-moi. Appelle-moi Dieu, s'il te plaît. Appelle-moi Dieu, tu as raison. C'est une bonne chose. Alors, ça c'est fait. On en a un autre là-bas qui est apparu bizarrement. Donc là, on a des missions spéciales apparemment. Des missions récupération. C'est ça, hein. Décharge. Ouais, pourquoi pas. Là, on a quelque chose. Butin. Alors, le butin, je sais pas à quoi ça correspond. Donc j'ai envie d'aller voir. Parce que de ferraille, encore trouver de la ferraille, bon bah. Bof quoi. Trouver du butin, par contre, ça pourrait être un peu plus intéressant. Vous voyez, l'argent, quoi. C'est la folie de l'argent. Hey! Par contre, comment est-ce qu'on rejoint l'endroit? Est-ce qu'il est en haut ou est-ce qu'il est en bas? Il est dans le bateau. Ou à côté du bateau? Dans le bateau. Hop. Ah bah d'accord, bah sors pas par là, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bonjour. Hey. Oh, génial. Keep your head down. There's a lead slinger slinging lead yonder. If you want to keep that fine car. Mais je l'ai pas déjà buté? You do well just killing that long shooting roach. Bon. Trouvez-le et abattez-le. Équiper le sniper. Abattu. Bonjour madame. Fini? Ok. Il y en a peut-être d'autres. Hein. C'est fini. Partager le butin. Donc c'était naze. Les butins, faut pas les écouter, faut pas aller les voir non plus. Ok, pourquoi pas. Bon bah je saurai pour la prochaine fois. On a que des petites mains. Hop, des infos. Là, il y a quelque chose. Rencontre légende. Oh. Ça m'a l'air sympathique tout ça. Pink Eye. On va aller voir Pink Eye. Et on va rouler. Ah oui, le projet armurerie, c'est vrai. Alors je vais aller le faire. Ah bon?
Bon bah merci les gars. Sympa. Armurerie, c'est par où? Armurerie! Ah, il est en train de faire la tambouille, non? Il va manger du feu, d'accord, ok, pourquoi pas. Alors, je suis paumé. C'est cool! Ah oh, putain! Yo! What's up, bro? Why are you looking at Paul? Off! D'accord. Pourquoi pas? La foule est dehors, le vent d'été s'engouffre par les fenêtres cassées, chargées d'odeurs putréfiées des fonds marins. Il y a des cris dans la foule, je crois qu'il tue quelqu'un, tous les serveurs sont partis, nous sommes seuls, mais la police est en route. C'était une décharge. Bienvenue dans ta maison, Pink Eye. Ta maison est dénommée comme une décharge. Dénominée plutôt. C'est là-bas? Ouh, c'est là-bas! Ok, ça c'est bon. On a l'armurerie. Hop. Ça, c'est fait. Ah, il se passerait quelque chose. Non, j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose. Bon, bah on va aller faire cette espèce de rencontre légende. Hop. Hop. Alors, où est la voiture? En face, normalement. Là. Oh, elle est tout éclairée en plus. C'est cool, les amis. Merci. Franchement, merci, c'est sympa. Hop, les. Et donc, j'avais mis le truc dessus. Oui, c'est bon. Hop, on y va. Là, il y a un passage. On coupe. La vache, ils sont tous là. Hop là, vous m'avez loupé les mecs, vous êtes trop nuls. Je voulais éviter le poteau. Des arbres, il y a des arbres, il y a de la végétation. Bon, elle est pas très verte cette végétation, mais elle est présente. Hop. Tous les coups, elle va pas être sur cet étage là, elle va être sur celui inférieur. Non! Putain. Max, tu fais chier, Max. Tournez pas. Non, j'aurais pas réussi, hein. Les chevaux de Skyrim ne sont plus sous le capot. Passe. Ah putain, mais ils sont nombreux en plus ces cons là. Cassez-vous! Est-ce qu'on va y arriver? Ah, ça y est, le v'là. Ou la voilà. On va regarder. J'ai cru qu'il y avait un sniper à l'espace d'un instant. Le voilà. La voilà? Oh putain, mais je vais pas y arriver. Ça fait des grosses explosions, donc on va pouvoir s'amuser, mais bon. Elles sont censées être où les gros? Ah d'accord, et en plus elles sont sur la map. D'accord. Il y en a une ici. Une juste là. Ah, il n'y en a que deux? D'accord. Intéressant. 3, 4, 5. 5 au total, d'accord. Pourquoi pas? Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là, on va rentrer chez Jit, tiens, pour changer.
Hop, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop.